Bonjour mes petites chouchous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour quelques petites pop que j'ai trouvées. Alors j'en ai qui vient de la Pourceau Pop, j'en ai qui vient de la MOD, et j'en ai un qui, enfin, ouais mais ils viennent tous de la, presque la même personne en fait, de Poképop. J'en ai qu'un seul qui vient pas de chez elle. Du coup, on va commencer par celui-là. C'est un trio pack. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 pop et un trio pack. Ça fait 8. Du coup, j'ai trouvé le trio pack à la bourse au pop. Il me plaisait très beau. Bien. Du coup, je l'ai pris. Et c'est celui de Alice. Du coup, on a Alice, le chat chailleur. Team, mais je sais pas ce que je sais pas lequel. Du coup, il vient les voilà tous les trois. Je vais vous la déboxer parce que j'ai trop envie de la déboxer depuis que je l'ai. Je suis un peu triste parce que la boîte est un tout petit peu abîmée, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est un peu, je suis un peu triste. Voilà. Du coup, on va commencer par la petite Alice. Je vous la montre de plus près. Elle est très belle. Alors, le petit chat beauté. Le chat beauté. Allez. C'est le chat chailleur en bleu. Comme ceci. Il est trop beau. Je l'adore comme ça. J'adore. En plus, le bleu, c'est déjà ma couleur préférée. Du coup, j'adore. C'est mon préféré. Et alors, lui, c'est Tim. Tim. Je sais pas son nom en français. Parce que c'est pas écrit en français. Du coup, voilà. Si vous le savez, dites-le moi. Je voulais vous montrer l'arrière comme il était bien fait aussi avec les détails. Voilà. En plus, je ne l'avais pas encore sorti. Oui, je n'avais pas vu ce détail-là. À ce bonhomme-là. Du coup, voilà. Ça, c'était de la bourse au pop. Et pas le rentrer. Après, j'ai de... Je vais montrer d'abord les univers qui n'ont rien à voir ensemble. Ben, j'en ai deux qui vont ensemble. Ça, ça va ensemble. Et ça, ça en va ensemble. Du coup, dans une précédente vidéo, j'avais fait acquisition de la nouvelle collection du Roi Lion. Et il me manquait Zazu qui n'était pas arrivé. Enfin, il n'était pas dans la commande. Du coup, j'ai reçu le petit Zazu. Et je suis trop contente de l'avoir. Enfin, il manquait plus que lui pour finir cette petite collection. Mais il est trop, trop beau. Il est vraiment trop beau, je trouve. Avec son grand nez. Mignon, voilà. Hop, le remettre dans sa petite boîte. Voilà, je vais le laisser là, comme ça je me trompe pas. Du coup, le deuxième, enfin le, ouais, j'ai encore celui-là. On va faire celui-là d'abord, avant celui-là, parce que ça me plaît bien. J'ai des animaux fantastiques. Le Wagyu qui est très beau. Il me manquera plus que Nagini, mais je suis moins fan. Voilà la collection. Ceux-là, je les ai. Enfin, je les ai tous à part les personnages. Enfin, si j'ai celui-là, je l'ai. Hein, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas et celui-là, je l'ai pas. Parce qu'il me tente pas. Enfin, je suis pas tellement fan. Des personnages, je me tentais plus les animaux.
C'est pour ça que j'ai pris les animaux. Il me manque juste le petit serpent, le Nagini. Merci, il est en deux morceaux. Le Nagini qui est juste là, qui me manquera. Les pop, le machin est en deux. En deux. Du coup, punaise, elle est énorme aussi celle-là. Oh, qu'elle est belle. Oh, regardez ça, qu'elle est magnifique. Elle est trop, trop belle. Et je crois que il n'y a pas trop de défauts. Pour le moment, j'ai quand même de la chance avec ces pop. Je crois qu'il y a tout petit peu la queue, mais je ne sais pas si ça va se beaucoup se voir. Il y a un petit peu de décalage là avec la queue. Mais franchement, c'est qu'un petit détail. Mais il est trop beau. J'adore la tête. J'adore la tête. Il est trop magnifique. Ce petit. Je sais même comment. Parce que du coup, il est tombé. Voilà. D'accord. Ça tient pas des masses. Le plastique est en deux morceaux, c'est ça. Bon, je vais te laisser là. Je te remettrai après. Voilà. Après, je sais pas est-ce que je le laisse ou je le garde pour la fin. Je vais le garder pour la fin. Je suis trop. Alors, on a les deux nouvelles collections. Mais j'ai trouvé que deux pop pour l'instant. Du coup, on va commencer par le petit la collection d'Aladin avec Yabou. Yabou. Il est très beau. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout abîmé. Parce que moi, je le laisse en boîte, si vous voyez bien. Enfin, pour le moment. C'est vrai que elle n'est pas terrible, la pop. Non, elle n'est pas terrible. La couleur est moche. Enfin, moche. C'est très de vrai. Je sais pas si vous allez voir, mais le rendu ne donne pas comme vous voyez. Il est beau, mais la couleur, elle est un peu un rouge orangé. Je dirais couleur rouille là. Un peu. Elle est. Ça fait bizarre, mais elle est très belle cette pop quand même. En plus, je pense qu'on ne l'avait pas encore eu dans cette. Dans la série d'Aladin. Ou alors, j'ai mal vu. En plus, c'est un animal. C'est ce que j'adore. J'adore les animaux. Dans les Disney. C'est le truc que je préfère le plus que les personnages. Je vais vous montrer quand même l'arrière. Comme ceci. Vous voyez, il y a Aladdin, le génie, Yabou, l'éléphant, Abu, c'est Abu aussi transformé. Et non, c'est le petit singe. Oui, le petit singe. Faut que je réfléchisse. Et celui qu'on a. Voilà. Du coup, celle-ci, elle est montrée. Je vais la mettre là de côté. Du coup, on va vous montrer l'autre Aladdin, le prince Ali, qui est très belle aussi. Pour le moment, j'ai que ces deux-là dans cette collection. Ah, lui par contre, il a un support à son pied. Bien sûr, il ne veut pas venir. C'est normal. Ouais, mais je vais pas le retirer. Il y a un cache sur le pied transparent. Parce que la tête et le chapeau doivent être très lourds. Du coup, il ne doit pas tenir debout. Mais elle est très belle aussi. Ce petit. Petit Aladdin. Mais elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous voyez, le socle juste là. Ici, il y a le socle. Mais je n'arrive pas à l'avoir. Du coup, je ne sais pas vous montrer. C'est un bête socle en plastique. Mais voilà. Comme certaines pop, il y en a qui a des. Il y en a déjà. Voilà. Hop. Et voilà.
Bon, je vais la mettre là aussi. Du coup, on va continuer avec l'autre que... l'autre sortie cinéma qui va aussi plus traîner. Arriver. J'avais mes cheveux, j'ai un gros nœud là. Il faudra que je les démêle bien après. Là, il y a un gros nœud. Du coup, je vais continuer avec... je sais pas si vous avez reconnu, qui sort bientôt, très bientôt. C'est Toy Story. Alors, j'ai Buzz. Non, c'est Woody. Woody. Non, Woody, c'est... C'est Buzz, ouais, j'ai Buzz. Je ne sais plus quoi, moi. Parce que dans les 20 ans, j'avais eu, il n'y a pas très longtemps, le Rex que je vous avais montré aussi. Oh, ça fait bizarre. J'étais choquée là. J'étais choquée. Voilà la pop. Vous inquiétez pas, il manque pas un bras. Je l'ai juste là. Le bras de Woody. Non, Buzz. En fait, il y a un petit... C'est comme ça en fait, je pense. La pop, elle est comme ça. Voilà. Du coup, vous avez la tasse. Et dans cette main que j'ai en main, il y a la théière. Elle est trop... C'est trop... Ça m'a fait bizarre. J'ai cru qu'elle était cassée. Qu'un petit chapeau, c'est quand... La fille, par contre, j'ai l'impression qu'il est sale. Ça a l'air que c'est comme ça. Je ne sais pas. Regardez ça après. Mais elle est très belle. C'est quand il joue avec... la fille, je ne sais plus son nom, et qu'elle la déguise en... qu'il fait le thé. Elle est très beau aussi. Il faudra que je monte ça. Il va choquer quand je vais lui montrer. On va la laisser là de côté. Et du coup, pour continuer la série des Toy Story, j'en ai deux aussi. Mais celle-là, il me la fallait parce que celle-là, je crois qu'on l'a pas encore ou on l'a déjà. Mais comment je ne l'ai pas en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé les pop. Mais celle-là, il me la fallait vraiment dans mes pop. Le petit chien à ressort. Je ne sais plus son nom. J'aimerais bien. Mais de toute façon, quand. Et ils vont sortir le nom. Le film, je le verrai. Mais je voudrais bien le revoir. Enfin, revoir les Toy Story. Je pense que je vais faire ça bientôt. Mais il est trop, mais trop. Mignon, ce petit chien à ressort. Et puis le dessin, enfin le truc est bien fait, sauf un peu la queue. Ça fait bizarre la queue, mais enfin soit. En plus il est un peu assis, c'est trop, il est trop bien fait. Ouh, il va me lâcher les mains. Tu peux pas tomber, tu vas te casser après. Il est trop bien fait. Je trouve qu'elle est trop belle. Voilà. On va le remettre dans son petit... Dans sa petite box. Retourne dans ta niche. Du coup, je vais vous montrer l'arrière. Qui est comme ceci. Voilà. Du coup, Woody et Buzz, je les ai déjà. Ama, je vous l'ai montré, je crois, dans une précédente vidéo. Si je ne l'ai pas montré, je l'ai eu. Rex, je vous l'ai montré en vidéo. Celui-là, on l'a. Celui-là, je ne l'ai pas encore. Je voudrais bien l'avoir aussi. Du coup, Woody en théière. Enfin, voilà. Le pingouin, je ne l'ai pas encore. Et celui-là, j'ai mal. Du coup, il nous en manque. Enfin, il m'en manque deux. Le pingouin. Et voilà la collection. Mais j'adore, je suis fan. Et alors pour la dernière, c'est la pupite. Celle-là, ça m'ennuie, elle est déjà emballée. C'est pas grave, je vais quand même essayer de la sortir. Mais pas que... Hop, quand même retirer un peu le prix que je l'ai acheté. Mais celle-là, il me l'a fallu aussi. Il m'a fallu un moment de l'avoir, mais je l'ai. C'est le petit Mickey Gamer. Il est trop beau. Il va dans la collection juste là.
qui est pas dedans parce que c'est une édition spéciale. Voilà, ça, je vais essayer de la déboxer. Ah mais non, je saurais même pas. Il y a un papier collant. Je sais pas pourquoi il faut du papier collant. Et celle-là, il y a un machin noir dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est mal foutu. Mal foutu. Et ça, je retire ça, il va déchirer. C'est mal foutu. Là, il est déjà ouvert. Je vais choper mes ciseaux là à l'arrière. Sans trop abîmer la boîte. Non, je vais abîmer la boîte. Je ne saurais pas l'ouvrir. Parce que regardez, il y a un machin noir là. Du coup, j'ai essayé, mais ça va abîmer la boîte. Du coup, et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un scotch. Qu'il dit de mettre un scotch aussi. Le scotch, par contre, je l'aurais peut-être. Non. Non, je vais l'abîmer. Regardez, je fais déjà des traces. Du coup, j'arrête. Heureusement, je vais l'abîmer. Mais du coup, voilà comme ça. Il est trop beau. Il est assis en train de jouer. Et son casque sur l'être. Et vous voyez, moi, je les mets tous dans les petites bosses comme ceci. Sauf que il y a un plastique dessus. Pour ceux qui veulent, ils les laissent. Il y en a qui les laissent. Ça fait une double protection. Mais moi, je les retire. Parce que ça fait trop bizarre après. Vous voyez, c'est vraiment une belle boîte. Ça protège du soleil. Parce que moi, vous voyez bien, là, ils sont au soleil. Ça ne décolore pas les couleurs des boîtes, en fait. Et je vais la remettre comme ça. Vous voyez, même le... Hop. Enfin, quand ça ne se voit pas, ça va. Mais je l'ai vu. Hop, à péter. Voilà, je la remets dedans. Et en plus, c'est pas très cher, ces petites protections. Si ça vaut, si vous en voulez, vous allez chez Pokepop, elles vendent des protections pour toutes les boîtes. Même les trios boîtes. Il m'en faut une, moi, pour mon trio. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous partager, de abonner si c'est pas déjà fait, et petit commentaire de ce petit Mickey ou de la, dites-moi dans le commentaire lequel pop vous préférez dans tous ceux que je vous ai montré, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.